C'est toujours le même Massanta Benito. Benito Identité, @ Benito Massanta Benito officiel sur YouTube. Chers frères et sœurs, s'il vous plaît, comme je le disais dans le direct précédent, que je suis en train de vérifier la véracité de la situation. Donc, on vient de m'envoyer un document depuis Dakar, le document incriminant Agile King. Comme je l'ai dit, nous apportons notre soutien total à Agile King. Les faits qui sont relatés dans le document, c'est concernant ce qui s'est passé entre KPC, l'épouse de Charles White et Charles White. Tout de suite là, je vais lire le document. Et en même temps, je m'inquiète un peu parce que je ne comprends pas. On me fait savoir que KPC aurait éli domicile, c'est son avocat, KPC qui réside en Guinée. KPC qui réside en Guinée. KPC qui est guinéen. KPC qui a toutes ses résidences en Guinée. Pour porter plainte contre Agi, automatiquement, il élit domicile, c'est un avocat. C'est-à-dire, c'est là-bas, il loge. Je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est comme ça. Mais pour le moment, mon petit direct, c'est un direct d'étonnement. Ibrahim Ba, merci. Merci, bonne fête, mon frère de sang. Voilà. Je vais t'appeler tout de suite là, Ibrahim. Voilà, après le direct. Là. C'est mon étonnement. Je ne sais pas si vous êtes étonné comme moi. C'est comme moi, Benito. Je suis à Philadelphie. Je réside à Philadelphie. J'appartiens à l'État de Pennsylvanie. Parce que il y a des États, de différents États. J'appartiens à l'État de Pennsylvanie. La capitale même de Pennsylvanie, c'est Harrisburg. Ce n'est même pas Philadelphie. C'est Harrisburg. C'est là-bas, c'est loin. C'est à plus de 300 km de moi. Maintenant, pour porter plainte contre moi, subitement, KPC aurait résidé et résiderait à Philadelphie, c'est telle personne, c'est un avocat ici. Je me demande alors comment les choses fonctionnent au Sénégal. Je suis dépassé. Voilà pourquoi souvent je le dis et je le répète, restons dans le cadre. Dans le cadre, je dis bien dans le cadre de la politique. Je le disais hier lorsque je présentais le projet de Ibrahima Diakité, le jeune qui aide, qui assiste les fous à Conakry. Il a sa petite ONG qui s'occupe des fous, des personnes qui ont des difficultés mentales. Il a une petite ONG, il y a des personnes de bonne volonté qui les aident souvent avec des petits sous. C'est avec ça et ses débrouilles pour traiter les uns et les autres. C'est la première fois que j'introduis dans mes directs une telle situation. Parce que, un, je me méfie de traiter le dossier des gens qui ont des dents contre certains ministres. Je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas. Hein. Sinon, j'ai beaucoup de dossiers comme ça. On dit, ah, tel ministre m'avait fait ça. C'est comme le cas d'une dame qui a eu des problèmes avec le général Burama Kondé. Elle voulait que je fasse un direct sur Burama Kondé. Elle m'a chauffé, m'appelait. Burama Kondé m'a détourné à faire ça. J'ai dit, j'ai été très clair. Je n'ai pas répondu. Moi, je fais un direct sur général Burama Kondé. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? Je n'ai pas répondu. Il y a beaucoup de dossiers comme ça. Il y a un autre dossier encore contre une ministre. Il y a un monsieur qui m'appelle. J'ai sorti avec elle. Patati patata. On avait prévu, tout était prévu qu'on se marie tel mois, et parce qu'elle est devenue ministre. Des trucs comme ça. Imaginez-vous, je vais m'asseoir, me flanquer, parler de ça. Qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? C'est à cause de ça que je dis à tout le monde. Vous pouvez interpréter comme vous voulez. Tu es orgueilleux, tu es arrogant, il n'y a pas de problème. Les gens ont fait des vidéos en insultant ma maman ici, mes parents, toute ma famille ici. Les gens ont passé presque un an en train d'insulter mes parents ici. Est-ce que cela m'a dérangé? Non. Mon objectif est Doumbouya. La politique du gouvernement de Doumbouya. C'est ma politique.
C'est ce qui m'intéresse. C'est ça mon problème. Je vais vous montrer le document. Merci, cousine, merci. C'est ce qui m'intéresse. Vous allez voir toutes mes vidéos. C'est lié à la politique. Maintenant, si tu es membre du gouvernement, là, je te laisse pas. Mais je viendrai pas régler le litige, des problèmes entre les gens. Moi, mes mérites, qu'est-ce que moi j'ai à gagner dedans? Rien, sauf des problèmes. Voilà. Sauf des problèmes, hein. Voilà, voici le document en question. Le voilà ici. Il me l'a envoyé de Dakar. Voici le document. Le document est là. Le document judiciaire. Voilà. Le document. C'est venu du Sénégal. Regardez très bien. Regardez. Voilà. Le 6 mars. Regardez la date. Le 6 mars. Je vais le lire pour vous. Parce que c'est un conseil. Voilà. Je vais le lire. Maître Ndeye Antambaye. Ah, ok, merci. Et moi au moins, KPC a volé, KPC a fait ceci là. Moi, j'ai parlé du KPC concernant le dossier de la maison centrale. Voilà, j'ai pas envie de te manquer de respect ou bien te dire ce que tu es. Voilà. La soutilamine, nami hypocrite, nami traître. D'abord, j'ai un cerveau. Peut-être aussi que quelqu'un en manque de cerveau, c'est toi. Va voir ma vidéo concernant KPC et la maison centrale. Là, les dossiers sont là parce que c'est pas moi qui ai dit. Même les grandes gueules, tout le monde a débattu là-dessus. Voilà. Moi, je me demande comment vous vivez quoi avec votre esprit. C'est pas si vous laissez vos cerveaux à la maison, vous venez chier sur les passes des gens. Je me demande. Voilà. Je me demande quoi. Moi, je dis. En ce qui me concerne, je parle de la politique du gouvernement de Doumbouya. C'est ça mon problème. C'est-à-dire, si tu es membre du gouvernement, ou bien tu as travaillé avec le gouvernement de Doumbouya, tu as affaire à Benito. C'est tout ce que j'ai dit. Maintenant, si tu veux manquer de respect là, il n'y a pas de souci, tu peux faire. Là, il y a une lance d'affaires là, famille. Après, quand je finis, je te bloque. Voilà, c'est terminé. Est-ce que je vais lire le document. Maître Ndeye Antambaye. Avocat à la cour. Copie. Dakar, le 6 mars 2024. Et la réception a été faite le 7 mars 2024. Voilà, objet. Plainte contre le dénommé Djibril Hadji Le King, 224, demeurant à Dakar. Titulaire. Non, d'abord, Dakar, le 6 mars 2024. Monsieur le commissaire. Chef de la division de la cybercriminalité. Excusez-moi. J'allais sauter la partie. Voilà. J'allais. Benjamin Sebogo, merci frère. Je vais très bien, pata, mon aîné, Diara. Je vais très bien. J'allais sauter la partie. Excusez-moi, très fort. Dakar, le 6 mars 2024. Le document a été reçu le 7 mars 2024. C'est Maître Ndeye Antambaye, avocat à la cour, qui a rédigé la plainte. Zedon Grovogi, comment vas-tu, cousine? Donc, je continue. Monsieur le commissaire, chef de la division de la cybercriminalité. Objet. Plainte contre le dénommé Djibril Hadji Le King, 224, demeurant à Dakar, titulaire et utilisateur des comptes Facebook dénommés Hadji Le King, 224 et Hadji TV officiel. Et du compte TikTok dénommé @azitv.officiel. Monsieur le commissaire, d'ordre et pour le compte de Monsieur Kefala Camara. D'ordre et pour le compte de Monsieur Kefala Camara KPC,
né le 8 mars 1970, administrateur civil de nationalité guinéenne, demeurant à Lambayi, commune de Ratoma, Conakry, Guinée. Mais, écoutez la partie, mais, élisant domicile, écoutez très bien la partie, mais, élisant domicile, chez Maître Ndeye Antambaye, avocat à la cour, 65 rue Vincent Dakar Plateau. Est-ce que c'est quoi? Ah, ok, Traoré. Ok, il n'y a pas de problème. Merci, Fred, à gogo. Voilà. J'ai l'honneur de vous exposer que courant le mois de février et le début du mois de mars, en tout cas avant prescription de l'action publique, il a découvert avec beaucoup de surprise que le nommé Djibril Agilo King 224 a, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, notamment TikTok et Facebook, fait des vidéos durant lesquelles il a tenu des propos injurieux et diffamatoires à l'encontre du requérant. Qu'à la visualisation des vidéos publiées, jointes à la présente lettre plainte sur clé USB, il s'est épanché sur les relations entre le plaignant et la famille d'un ancien ministre de la République de Guinée, notamment l'épouse de celui-ci. Voilà comment elle a relaté les faits. Voilà la plainte. Donc, voilà ce qui s'est passé. Le document a été envoyé au commissaire chef de division de la cybercriminalité. La plainte a été portée par KPC. Ce qui m'a surpris, moi, Benito, je le dis, j'apporte mon soutien total à Agilo King. Voilà pourquoi j'ai fait ce petit direct. On dit très bien, c'est très bien précisé. Monsieur le commissaire, d'ordre est pour le compte de Monsieur Kefala Kamara KPC. C'est pour KPC, il porte plainte, pour KPC. Mais il dit ici dans le document que Monsieur KPC, quelle fois la personne, Kamara, est né le 8 mars 1970, qu'il est administrateur civil. Bonne fête, ma chérie. Bonne fête, Nabintana Moussounouma. KPC est né en 70, il est administrateur civil. Il est de nationalité guinéenne. Il demeure à Lambayi, commune Ratouma, Conakry, Guinée. Mais, élisant domicile, c'est-à-dire KPC réside chez Maître Ndeye Antambaye. C'est là-bas KPC réside. C'est-à-dire au Sénégal, c'est là-bas qu'il réside. C'est là-bas KPC réside. À mon fort étonnement, c'est là-bas KPC réside. Et puis l'avocat est donné, tout est donné. C'est le problème concernant l'épouse de Charouette. Selon aussi le même avocat, M. Aziz serait lié à l'avocat, à la femme de. À la femme de Charouette, ce qui n'est pas vrai. Ils ne sont pas de la même famille. Non. Ils ne sont pas de la même famille. Ils ne sont pas de la même famille. Ils sont pas. Excusez-moi, parce que j'évite beaucoup les termes ethniques. Ils ne sont pas de la même ethnie. Voilà, ils ne sont pas de la même famille, ils ne sont pas de la même ethnie. Comment les deux là sont liés? Et dans la vidéo. Peut-être je n'ai pas compris, d'accord. Mais pour pouvoir porter plainte, peut-être c'est comme ça on écrit. Je ne suis pas
Je ne suis pas un homme de la justice. Je ne connais rien dans la juridiction. Voilà, excusez-moi, je l'ai dit depuis longtemps. Ce qui concerne la justice, là, je n'en sais rien, je ne connais rien dedans. Voilà pourquoi je ne mets pas ma bouche dedans. Ce n'est pas mon problème. Vous allez fouiller dans toutes mes vidéos, là, les documents judiciaires, là, je ne suis pas dedans. Parce que je n'en sais rien. Je ne peux pas interpréter. Mais ce que moi, je ne sais pas, et que je voudrais comprendre, c'est vers la fin, on lit « Agit à l'épouse de Charles White ». Et ce n'est pas l'épouse de Charles White qui a porté plainte parce que Agit aurait transféré les conversations à qui? À Charles White. Mais lors du débat, parce que c'est vérifié, c'est pas, il n'est pas le seul à le dire, Amidou, mon Noël, il n'est pas le seul à le dire, les médias l'ont dit en Guinée. Même Charles White l'a dit, Charles White même en personne l'a dit. Mais pourquoi, quelquefois la personne ne porte pas plainte contre Charles White, mais ça va porter plainte contre Agit? Parce que, je me rappelle, lorsque Charles White expliqua le problème, il a dit que c'est à l'intermédiaire de KPC, il a demandé de l'aider à trouver résidence, à aider sa femme à avoir des documents en France. Ah ouais? Mais c'est ce que Agit a relaté. Mais quand on parle de tournement, les gens ont parlé de la maison centrale, les contrats de la maison centrale. Mais c'est vérifié. Mais c'est vérifié. Les contrats, les trois contrats sont là-bas. Les gens sont en train de prendre les photos pour faire la campagne du KPC en montrant l'extension, la reconstruction de la maison centrale. Mais regardez la maison centrale. C'est restreint, c'est juste au milieu de la ville de Kaloum, la presqu'île de Kaloum. Vous devez m'aider à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis que c'est un coup du CNRD. Oui, je le dis, c'est un coup du CNRD. C'est un coup du CNRD. KPC travaille avec le CNRD. KPC travaille avec le CNRD. Le CNRD en veut au RPG et en veut à l'IFDG. Agit est un communicant de l'IFDG. Peut-être qu'il faut profiter de la partie-là pour mettre main sur le petit. Sinon, sincèrement, il y a eu des débats. C'est-à-dire des débats au niveau des grandes gueules, des débats sur Djuma, des débats à Conakry. Ils n'ont pas porté plainte contre quelqu'un. Non. Contre personne. Charles White était en Guinée. Charles White, KPC a entendu son nom dans la bouche de KPC a entendu son nom dans la bouche de Charles White. Il expliquait ce qui s'est passé. La relation entre KPC, Charles White et son épouse. Il l'a détaillé, il a fait une conférence de presse. Pourquoi alors, le lendemain, KPC n'est pas parti porter plainte contre Charles White? Charles White est à Conakry. C'est Doumbouya qui a autorisé Charles White de quitter le pays. Hein? Moi, je ne connais pas les... Aidez-moi, hein? Je ne connais pas comment les trucs judiciaires marchent. Mais peut-être, je suis en train de faire la lecture exacte de ce qui s'est passé. Normalement, dans ce cas, Charles White ne devait pas quitter la Guinée. KPC aurait saisit automatiquement son avocat qui est à Conakry pour porter plainte contre Charles White. Et pourtant, le document, quand Charles White est arrivé à l'aéroport, quand il est arrivé à l'aéroport, lorsqu'on était en train de l'enregistrer, son passeport était déposé sur un document. Le document-là venait de la présidence. Quand il a déposé, ils n'ont même pas vérifié. Ils ont écrit seulement, ils l'ont laissé passer. Ils ont arrêté et puis ils l'ont laissé passer. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la question, c'est pour vous dire. Wallah, je mets c'est Ramadan, hein? Ma maman chérie, Fatma Tadjalo, maman. Comment vas-tu, maman?
C'est un coup de CNRD réussi pour le moment. Vous avez réussi à mettre main sur le petit. Et pourtant, Paikoussar aussi, le jour où Doumbouya est parti, le jour où Doumbouya était là-bas, les commandos qui étaient avec Doumbouya, les Vauriens voulaient attaquer Paikoussar. Heureusement, il était avec ses amis. Il était avec ses amis, hein. Il était avec ses amis. Mais je voudrais m'adresser aux autorités sénégalaises, ceux qui viennent d'arriver là. Et le président Diouma Faye et autres. Oui, je suis petit pour m'adresser à une autorité sénégalaise. Heureusement, votre pays est un pays démocratique. Et nous avons des institutions sous-régionales qui protègent les populations exilées. Il y a une loi de la CEDEAO qui protège la population dans la circonscription de la CEDEAO. Pas le Sénégal seulement. Hein. Il y a une loi, il y a un article de la CEDEAO, un article sur le droit de l'homme, la sécurité humaine, protection civile. L'article est là-bas. Quand un État, je l'ai lu une fois dans un direct, quand un État est géré par... Voilà. Quand un État est géré... Ah, ok. Excusez-moi. Ah, merci Yakité Kaba. Et pourtant, si je ne te bloque pas là, tu es un de mes fans. Hein? Bye. Un État géré par une dictature. Un État géré par un antisystème. C'est là, c'est aligné. Au cas où une personne ressortissante de cet État se trouvant sur votre territoire a des difficultés par rapport à ce régime-là, il a besoin de votre protection, de protection de l'État résident. C'est écrit, hein? Est-ce que vous comprenez? L'article là-bas, Tata Diana, convoitu. L'article là-bas. Donc, M. Diouma Faye, ou bien M. Ousmane Sonko, voilà ce que le grand frère Alpha Diallo dit. Le droit d'asile et de protection, c'est ça. Ce qui me plaît dans l'article de la CEDEAO, c'est bien mentionné. Quand l'État est géré par une dictature, par un antisystème qui n'est pas conforme aux règles de la CEDEAO, quand un ressortissant de cet État résident sur votre territoire a des difficultés par rapport à son état d'origine, vous avez le droit de le protéger, le droit de l'assister, le droit de le protéger. C'est là-bas. Et aujourd'hui, notre État, le Mali, le Burkina, le Niger, sont aujourd'hui des États qui ne respectent pas les règles de la démocratie, qui sont suspendus. Aucun ressortissant de ces quatre États-là ne doit être rapatrié. Aucun ressortissant hors de ce pays, en cas de difficulté avec ces trois États-là, les quatre États-là, ne doit pas être rapatrié. Même arrêté. Parce que ils ne sont pas dans la légitimité. Quelle légitimité? C'est vrai. Quelle légitimité vous donnez aujourd'hui à ce document? Je m'adresse au gouvernement sénégalais. L'avocat qui vous parle, l'avocat qui a écrit la plainte au nom de KPC, nous avons vérifié. L'avocat là n'était jamais lié à KPC. KPC a cherché à avoir un avocat là-bas. Même si on dit l'argent parle, c'est l'argent qui fait bouger les lignes. D'accord. Il a cherché cet avocat. Ils ont trouvé la bonne formule pour mettre main sur Agi. Je vous le jure. Le CNRD actuellement là, a quelle légitimité pour faire arrêter un Guinéen par-ci par-là? Est-ce que vous comprenez? Je ne rentre pas dans les détails judiciaires. Je vous ai dit que je n'en sais rien.
Je n'en sais absolument rien dedans. Si la loi sénégalaise dise, je dis bien, si la loi sénégalaise dise qu'un Guinéen, un Ivoirien, un Burkinabé peut chercher un avocat sénégalais pour faire arrêter son compatriote là-bas, moi je m'adresse à la légalité, la légitimité du régime en place. Parce que KPC travaille avec le CNRD. KPC a les projets du CNRD. KPC est avec le CNRD. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis en train de m'efforcer pour lire les lois judiciaires. Sinon, je n'en sais rien dedans. Mais, selon un de mes frères, et puis pas de moindre, KPC, qu'elle fait la personne, Camara. Aujourd'hui, à chaque régime, tu profites. À chaque régime, tu profites et tu gagnes. À chaque régime. Le président lance un compté. Tu as gagné. Le président Alpha Condé, tu as eu des projets, tu as eu des contrats. Et tu fais partie des personnes qui ont saboté la gouvernance d'Alpha Condé. Je le dis, hein. Moi, je l'ai tout le temps dit. Il faut te préparer parce que moi, ne t'en fais même pas. Une fois que le CNRD va passer, arriver à Conakry, il faut porter plainte contre moi. S'il te plaît. Faut porter plainte contre moi. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le patron du Topaz, le patron de Topaz, le patron de l'Indien là, et toi, vous êtes presque le poumon du CNRD. Autant d'Alpha Condé. Je le répète, hein, tu as été un saboteur du programme de tous les chantiers routiers du procès Alpha Condé. S'il y a une personne qui n'a pas peur de toi, c'est moi, Benito. Je te le dis, hein, moi, personnellement, je n'ai pas peur de toi. Personnellement, parce que tu as saboté notre gouvernance. Quel est le régime que tu n'as? Asok, merci beaucoup. Asok, qu'est-ce que tu n'as pas eu avec nous? Avec Alpha Condé, qu'est-ce que tu n'as pas eu? À chaque régime, tu te couches comme ça, tu t'adaptes. C'est-à-dire, tu es le parrain des adaptateurs en Guinée. Tu es le parrain des adaptateurs. Tu t'adaptes, tu fais adapter tout. Maintenant, fait que Falaïbe. Peut-être, le prochain régime démocratique qui va arriver là. Moula Nawalima avec toi. Ce que tu ne sais pas, nous avons appris beaucoup avec le CNRD. Et les gens ont appris avec nous et avec le, et au temps de CNRD. Ils ont appris beaucoup, ils ont compris les Guinéens. C'est-à-dire, c'est cette compréhension qui manquait. Les gens ont compris tous les Guinéens. Il n'y a pas un Guinéen qui n'a pas compris son prochain. On sait tous quels sont les faux types, les profiteurs, les arrangeurs, les escrocs, les lèche-bottes, tout est connu dans ce pays-là. Personne ne va se cacher prochainement dans ce pays. Autant d'Alpha Condé, tu montes un projet, tu t'en vas, tu graisses un de ces ministres-là, tu obtiens le projet, tu fais semblant de commencer le projet, tu laisses le projet-là, tu entends que Alpha Condé veut faire encore un autre projet, pam, tu cours, tu viens, tu souscris là-bas, on te donne le... C'est comme ça que tu as obtenu tous les projets. Rien n'a marché, rien n'a... Tu n'as rien achevé, tu es resté comme ça. Rien! Et voici aujourd'hui, si tu devais te soucier, parce que tu es sous-sous, tu devais commencer par protéger, comme tu es ami du CNRD, protéger la presqu'île de Kaloum. Tu sais ce qu'ils ont dit en bon malinqué? Je te le dis, hein, en bon malinqué. Je vais te dire ce qu'ils ont dit en bon malinqué. Parce que tu ne connais pas. Ce qui me plaît, c'est le CNRD. C'est-à-dire, le CNRD, c'est la conclusion de tous les ethnos. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Tellement que notre peuple est un peuple ingrat. Dieu a réuni tous les ingrats. Regardez le CNRD, la tête. Tous les ingrats sont réunis autour de Doumbouya. Doumbouya même, c'est le parrain des ingrats. Amara, c'est un ingrat. Quand on prend le côté de l'IFDG, le parrain de tous les ingrats, Ousmane Gawal,
Parce que c'est lui-même qui a la base des vidéos montées là contre Erasto Dalen Diallo. C'est connu de tout le monde. Ils sont nombreux comme ça, on peut les citer. On peut les citer, ils sont nombreux comme ça. Voilà le rassemblement des ingrats. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu t'a mis sur le chemin des ingrats là. Mais si tu entends ce qu'on dit autour de Doumbouya en Malinké là, tu as dit, c'est un conseil. Tu penses que tout est rose pour toi. Tu as vu les Bala et autres là, Amara a été envoyé par le gouvernement d'Alpha Condé au Maroc pour une formation. Bala Samoura, c'est un tapissier. C'est Alpha Condé qui l'a fait monter. Demandez à Bala Samoura. C'est avec Alpha, il a eu un nom. Bala Samoura. Et Dieu là, Dieu le Tout-Puissant là. Dieu, regarde aujourd'hui ce qui arrive à Kaloum. Tu as vu? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Toutes les personnes faibles de projets, de programmes, de familles à Kaloum, ils veulent retirer les bâtiments. Ce n'est pas le Seigneur qui a construit les bâtiments pour les Kaloumka, hein. Ce n'est pas le CNRD qui a aidé les Kaloumka à obtenir ces terrains-là. Ce n'est pas le CNRD qui a donné l'argent à ces Kaloumka à acheter leurs terrains. Mais tu sais ce qu'ils disent? Que les terrains ont été obtenus au temps de Sékou Touré où il n'y avait pas de ceci. Voilà, c'est les grands intellectuels. Hein. Comme ils ont les armes. Ils ont les armes. Ils sont équipés. Ils ont le monopole de tout aujourd'hui. Il veut récupérer toutes les petites maisons là, délabrées et autres là. Forcer ces familles à aller prendre des parcelles à la sortie de Kindia, pour ne pas de la sortie de Koya. C'est que nous qui sommes étrangers à Conakry là, nous allons être Conakrycains plus que les premiers habitants de Conakry. Nous qui sommes vers les banlieues là. Oh, attendez, je vais aider un peu. Je veux aider les gens. Nous qui sommes vers les banlieues là, bien, nous ne serons plus que les premiers habitants de. C'est presque acquis. Parce qu'ils ont envoyé des documents dans toutes les familles. Je ne sais pas comment ils ont fait pour recenser les familles là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour identifier toutes ces familles là. C'est une centaine de familles comme ça. Ils doivent quitter Kaloum. Meilleur à Bori. Meilleur à Terrain. Comme ils n'ont pas les moyens, et puis les imposer le prix. Vous comprenez? Les imposer le prix. Au lieu de me demander d'arrêter ça, tu ferais mieux de quitter ma page. C'est à l'amiable, quoi. Tu peux quitter ma page doucement. Parce que donc, je n'invite que les gens qui veulent m'écouter. Voilà. Les détails, cependant. Vous savez, les faiseurs de donner des leçons là, ou faire de c'est pas de quoi là. C'est pas les partisans de Baouri. Parce que depuis que Baouri est devenu premier ministre là, tous les habitants de sa sous-préfecture, je ne parle pas de Pitadé, je parle de sa sous-préfecture, ou ceux qui sont de sa famille là, sont devenus les insultologues sur Facebook. Toute sa famille, ou bien les partisans de son parti, quoi là-bas, sont devenus les insultologues sur Facebook. Donc, un partisan, vous ferez mieux d'aider Baouri, parce que l'affaire de Baouri là, vous ferez mieux d'aider Baouri, parce que Baouri dans ses propres problèmes. Je ne parle pas de Baouri, il ne m'intéresse pas. Donc, M. KPC, à ma place là, M. KPC, personne ne se lèvera ici pour aller à Zérékouri, et en forêt, personne n'ira en forêt pour demander aux autochtones de Zérékouri de quitter le centre-ville pour aller aux environs. Wallah, KPC, Emarabama, et M. Soussama. Personne ne va se lever pour aller à l'abbé que je connais. L'abbé, demander à la population de l'abbé, aux autochtones de l'abbé, de laisser le centre-ville pour aller vers Afia, en partant vers la sous-préfecture d'Afia, vers l'université là-bas. Personne ne va se lever pour aller à Kankan. Demandez aux autochtones de Kankan de quitter Kankan Ville pour aller aux avions. Personne. Je ne parle pas de Mamoué où j'ai grandi. Hein.
Parce que là, là tu n'es même pas kiloté pour aller à Mamou. Mamou, même les Mamouka là qui aiment beaucoup les originalités là. Des enfants de 38 ans, Imoebe, de 38 ans, de 40 ans, à peu près 41 ans, des jeunes comme ça se réunissent, ils sont nombre de 5 personnes. Ils veulent récupérer tout Kalou. Et Matifoti et eux aussi, ils prennent la bonne partie. Et puis, au lieu de défendre, tu te ranges parce que toi, ta vie est faite. Ta vie est faite. Parce que ta vie est faite. Il est à son nom. Comment vas-tu, ma chérie? Ta vie est faite. Parce que, je le répète, pour terminer, j'arrête mon dire, parce que c'est pour agir, je suis là. Si les Guinéens ne te connaissent pas, moi, je te dis, tu es un saboteur. Un simple saboteur. Tu as dit dans un débat que vous ne voulez plus, c'est ce que tu as dit, hein, que vous ne voulez plus qu'un club de notre pays soit exclus de la compétition de la CAF parce qu'ils n'ont pas de moyens, que tu vas mettre les moyens à leur disposition. C'est vrai. C'est de la manipulation. Tu n'es pas propriétaire de tous les clubs guinéens. Pour ça, là, il fallait se battre d'abord et terminer les stades. Le stade de 28 septembre, c'est, tu as fait tout, tu as passé par tous les membres pour récupérer le contrat de stade de 28 septembre. Tu es en train de faire ça, le semblant d'accélérer le stade de 28 septembre. Regarde le stade Lansana-Conté. Le stade Lansana-Conté. Flambant neuf. C'est arrêté. Nous donnons tous ces exemples pour montrer aux Guinéens, vous n'êtes que des propagandes. C'est-à-dire, les propagandes là, c'est vous, l'ennemi. KPC, tu n'es qu'un lâche. Moi, je le dis. Lorsque Moria t'attaquait là, Moria Gaudé, Aïcha, on noie, c'est ton noie. J'étais un peu fâché contre Moria. Mais aujourd'hui, j'ai compris, Moria a raison, mon petit frère, mon champion, Moria a parfaitement raison. Moria dit en bon sous Nafigi n'ira. Parce qu'il y a une divan. Nafigi a. Ça dit, c'est fait semblant d'aimer les gens. Et on trouve le contraire. C'est à cause de ça, j'aime beaucoup. Il y a des sous là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces sous là. Il y a des frères sous qui m'appellent ici là. Wallahi, des grands frères, des tontons sous en cause là. Je comprends pourquoi. Il y a un même qui a dit, Benito, on a la Omubayama. Omubayama de. Omubayama, Mouta Sosoe, nous ne sommes pas pour le CNRD. Je dis ok. Moumanayamade, Omubayama. Name Kerenkere, on a Moussayamade. Ne nous mélangez pas avec les personnes inutiles là. Na Sosoe, Na Sosoe dit Kerenkere. On a vous mélanger. On a vous mélanger. Nous, on t'aime. Ce n'est pas parce qu'un petit Soussou se lève là-bas là. Il fait semblant. Ah non, Mouta Malande, Moufam, maintenant là. Comme tu l'as ciblé dans un de tes directs là. Personne ne va manipuler la communauté Soussou. À nous, c'est la vérité. C'est la vérité. Est-ce que vous voyez? Excusez-moi. Ne répondez pas aux faux comptes. Voilà, s'il vous plaît, ne répondez pas. Voilà. Vous comprenez? Donc, KPC. Il n'y a pas quelqu'un, Mafata Aïdi, comment vas-tu Mafata? Il n'y a pas quelqu'un qui ne te connaît pas. Ntahé, je ne prends pas le dit d'un soussou pour considérer le comportement de tous les soussous. Mayamago, il y a des gens avec qui je communique là. Eban Nakota. Il m'envoie les photos, il m'appelle, appelle vidéo, Eban Wanyito. Soso Inanna, je viens de Dibreka. Soso Inanna, je viens de Kindia. Sosena, je viens de Boké, Baganana, il va comprendre. On a Moussou Beyama. Et Luna, c'est comme ça ils disent. Namere Luna, et Luna, Mouné Colon. C'est comme ça certains tontons. C'est comme ça certains tontons me disent au téléphone. Moi là, c'est Agi, c'est contre Agi, tu peux porter plainte. Quand nous serons tous à Conakry, après le CNRD. Il faut retenir tous ceux qui ont parlé de toi. Hein. Il faut aller porter plainte. Et voilà, mais. Et Mouta saboté René. Tu nous as saboté. Tous les habitants de Yataya, ceux qui sont à Yataya, demandez au Yataya. Sophonia Gare, Sophonia Centre, en partant vers Kabylie. C'était ton projet. Demandez à tout le monde. En face de l'école privée, là.
de là-bas, et à camion de garer maintenant. De là-bas jusqu'à Kagele, demandez à tous les habitants qui a saboté la route là, à Nandeira. Nate Sismani, nous on te connaît, mais rien n'aime. Comment on dit ça? Tu fais semblant d'être une bonne personne. Neto Ronelorande, que tu as commencé ta vie par un crédit de 1500 euros. Faut dire aux gens comment tu as gagné l'argent. Faut dire ça aux gens. Quand tu sors. Quand tu sors avec la femme de Charles White, hein? Quand tu sors avec la femme de Charles White, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas. Est-ce que tu as commencé avec la femme de Charles White? Ta vie, nous là, ma vie privée, ça ne nous intéresse pas, hein? Les vies privées des gens. Sinon, et t'en as vie privée. À go au téléphone, tu pop, 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 ici. Je l'ai dit maintenant, femme, des petites filles de Conakry. Et la femme, mon bébé, à bébé. Mais c'est pas important. Moi, je ne suis pas là pour ça. Avec Benanabe, il a vie privée. Mais moi, là, c'est pas mon problème. Mouta Merle, c'est Charouette même qui l'a dit, que tu sors avec sa femme. Mais pourquoi tu n'arrêtes pas Charouette? Mais tu fais arrêter Agi. Pourquoi? Parce que Agi est faible. Agi n'a pas d'appui. Et là, Charouette est arrêté à cause. Il a plein de Charouette. Tu vas avoir des problèmes avec Doumbouya. Namara. Bila Kolo, Charouette. C'est Doumbouya qui a dit de quitter le pays. Il a quitté le pays. Idoma. Sinon, tu es là, tu dois aller porter plainte contre Charouette. Mais est-ce que tu peux porter plainte contre Charouette? Idoma. En Mouta même, il ne faut pas te presser. Moufan Fafi. Chaîne de là, le 31 septembre, le 31 décembre, c'est fini. Et Goro. Parce que le dernier premier ministre qui peut sauver le Sénégal, c'est Baouri. Comme lui, il est dessus déjà, Alhamdoulilah. Le seul qui pouvait aider le CNRD, sauver le CNRD, c'était Baouri. Mais comme lui-même, il le dit, qu'il n'y a pas d'argent, que les finances sont nulles, tout est à terre, celui qui le dit n'est pas moi. Donc, ça veut dire qu'après Baouri, je ne vois pas un autre premier ministre. En moins de 3 ans, 4 premiers ministres, astaghfirullah, 1000 fois. Portez-vous très bien. Je le répète encore une fois, j'apporte mon soutien total à Agilo King. Voilà. Et je le dis encore pour terminer. J'ai fait la vidéo en mentionnant ton nom. Au cas où tu n'aimerais pas ça après cette situation-là, je m'en excuse. Je le dis publiquement. Hein. Voilà, je m'adresse à toi, Agi. Voilà, je le dis, Agi, je le répète encore. Quand tu vas sortir de cette situation, si tu n'as pas apprécié le fait que j'ai mentionné ton nom, je m'en excuse d'avance. Je le dis sincèrement devant tous les abonnés. Tu as mon soutien total. Voilà. Tu as mon soutien total. Total. Sur tous les plans. Voilà. Au lieu qu'on aille porter plainte contre Charouette, ils ne font pas ça, hein, c'est contre toi. On attend la suite et nous allons communiquer largement là-dessus pour te sauver, pour t'aider. Parce que c'est qu'ils n'aiment pas. Et nous allons continuer à parler de ça. Portez-vous très bien. Merci. C'était le document incriminant. Voilà. Agilo King. Donc, jusque-là, nous ne connaissons pas la suite. Mais je sais que nous remercions l'IFDG d'avance. Nous remercions les responsables de l'IFDG d'avance. Nous les disons merci. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Voilà, je le répète encore une fois. Voilà pourquoi il faut appartenir à un parti politique responsable. Voilà pourquoi il faut appartenir à un parti politique digne de ce nom. Voilà pourquoi il faut appartenir à un parti politique qui a un nom. Voilà. Au moins qu'il y a une responsabilité, pas les partis politiques du quartier qui n'ont même pas de, comment on appelle ça, qui n'ont même pas de toit, qui n'ont même pas de nom. Il faut appartenir à un parti politique qui appartient à une dynastie très forte. C'est ça. Merci beaucoup, mon Yannick. Tata Diana, merci beaucoup. Donc, portez-vous très bien. En tout cas, le King, je suis avec toi. Bénis-toi avec toi. Voilà, je suis avec toi partout, je suis avec toi. Tu es mon jeune frère, je t'aime beaucoup, on est ensemble. Voilà, c'est la politique, le débat politique n'est pas là. On est dans la même option, c'est de faire partie le CNRD. C'est dans ça là, ils veulent tous nous faire taire. C'est parce que nous sommes aux États-Unis, ici là. Voilà, pour faire taire quelqu'un là, tu vas rimer terre ciel. En tout cas, ça va chauffer. Voilà, ça va chauffer même.
ça va chauffer. Donc, nous, nous sommes déjà, ah, nous, ici, là, moi, je suis trop près. Si quelqu'un pouvait disparaître, il y a les yeux de certaines personnes qui pouvaient nous faire disparaître aux États-Unis. Quand tu rencontres certains amis du CLDD, quand on te regarde là, ils te regardent avec un angle plus de 380 degrés. Ils te regardent comme ça, là, ils ont envie de te manger, ils ne peuvent pas. Ah, c'est ça même, Oumundoy, des parties cabine téléphonique. Donc, merci beaucoup. Portez-vous très bien. Voilà. Merci, ma chérie Assad Diallo. Portez-vous très bien. Merci à le frère Morla et Bangoula. Merci beaucoup. Merci pour ton combat, mon frère Morla et Bangoula. Merci pour tout aussi. Voilà. Sal Younoussa, Abla Diallo. Merci à tout le monde. Voilà. Nous sommes de cœur avec Agi. Soutenons-le. Ceux qui connaissent les petites détails là-bas, ça, c'est vos problèmes. Nous, le soutenons. On sait que c'est le CND qui est derrière le coup, là. On le sait très bien. Voilà. Donc, nous remercions l'IFDG, un parti responsable, un parti qui a un nom. Voilà. Un parti qui a une autorité connue de tout le monde. Voilà. On verra la suite. Inch'Allah. Voilà. Mmh.